Salut les amis, bonjour, c'est Jackie. Là, aujourd'hui, je suis à Centre Culturel pour l'édition de la Bourse Jouée 2018. Et là, je vais interviewer deux, trois intervenants qui s'occupent de ça, de la PEPA, qui vont nous en dire plus. Hop là, présente-toi, Anita. Anita, je me présente. Donc, c'est moi qui organise la Bourse Jouée au Centre Culturel de Brumath. Ouais. Vous pouvez venir découvrir des jouets pour tout âge, enfants, bébés, et des affaires de puériculture qui se trouvent là-bas, ainsi que pour les enfants les plus petits. Donc là, vous avez pour les garçons et pour les filles. C'est mixte. Ouais, voilà. Et après, vous avez des jeux de société aussi. Jeux de société, bricolage, créativité. Et vous avez aussi la gamme livre et on a une gamme costume là-bas. Alors là, on explique pour l'instant, table se vide parce que tout le monde n'est pas encore arrivé. Voilà, c'est ça. On est en train de remplir. Voilà. Ça vient, les gens arrivent. Voilà, donc la dépose est jouée jusqu'à 16h cet après-midi, c'est ça ? 16h, voilà. Et demain, c'est ouvert jusqu'à 17h le soir. Voilà. Pour venir acheter, faire vos emplettes. Voilà, de 9h30 à 17h. On peut vraiment faire des bonnes affaires parce que je me rappelle, l'un dernier, j'ai acheté deux superbes peluches, un chien et un nounours. Et deux peluches, 5 balles. Toutes belles, toutes propres, on avait l'impression qu'elles sortaient du magasin. On avait l'impression qu'elles étaient neuves. On peut faire des bonnes occasions, hein. Il y a des jeux encore neufs, encore emballés. Hein. En plus, ouais, voilà. Donc, et des jeux pas très vieux, en très bon état. Hein. On fait le tri, donc, on essaye, mais on essaye, on fait de notre mieux. Donc, et puis je vous présente Sophie Roth qui prendra ma relève à partir de l'année prochaine. C'est vrai, l'année prochaine. Voilà, moi je m'en vais, j'ai fini, j'ai plus d'enfants. Et il faut savoir que cette bourse aux jouets aussi, aujourd'hui, on l'a fait en. Les dons seront reversés en faveur des Semeurs Étoiles et Franck Arion de Soleil. D'accord, voilà. Ça faut le préciser parce qu'on ne savait pas ça. Voilà, donc ce qu'on arrivera à avoir en bénéfice sera reversé à ces deux associations. Oh, c'est excellent ça. Voilà. Donc Sophie, toi, t'as la petite nouvelle ? Oui, la petite nouvelle. Donc, on recommence et on va continuer dans la continuité. Pour continuer les bonnes actions. Donc l'année prochaine, c'est toi que je vais interviewer pour savoir ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. On va mettre ça en ligne. Merci les filles. J'espère que ça sera un succès comme l'année dernière. Ouais, il y aura beaucoup de ventes. Et puis, moi, je passe à nouveau demain après-midi pour voir comment ça se passe. Ok, il n'y a pas de souci. Hop. Je ne serai pas là, mais ma collègue sera là. Voilà, je serai là. Ok, ça marche. Allez, hop, salut. Salut. Salut.